zinsbegoocheling die zich in de lieve klachten noemen. Do not be discouraged by the white women. Hurricane! Loopt u door naar het stoomlokaal en maak u zelf even af, darling. Rijkdom ligt voor u in het verschiet. Bye.
Et voilà. Nous en sommes déjà à l'épisode 50. Je suis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode de Planet Coaster. On va pas faire grand chose aujourd'hui, hein, ça je vous le préviens tout de suite. Là, c'est même juste l'explication, hein, comme vous aurez pu le voir, excusez-moi. Du coup, ça reprend aussi les bégayages éternels. Donc je vous ai proposé une belle cinématique pour l'épisode 50 de Planet Coaster. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Au moins ça vous permet de voir mes avancées que j'ai faites sur le parc. Enfin mes avancées du coup, enfin, comme vous aurez pu le voir à l'épisode 49, le parc était complètement vide, littéralement, avec la perte de ma sauvegarde. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 49, hein, si vous ne l'avez pas vu, comme ça je vous explique vraiment tout. Avec un peu de dégoût d'ailleurs, je vous explique tout, mais voilà, au moins vous savez tout. Aussi, j'aimerais savoir quelque chose. Il va y avoir un petit sondage dans le petit i en haut à droite. Et vous allez me dire quelle est votre zone préférée dans mon parc. Quelle zone vous appréciez le plus. Donc il y aura la zone Deep in Africa, il y aura Mexico, il y aura le Klugheim. Ici ce sera le Vieux Berlin, Méditerranée, China et la zone de Baron 1898, je sais pas, ce sera l'autre. Dites-moi celle que vous préférez en termes de thématique, en termes de création d'attraction, enfin en termes de créativité d'attraction, bon même si c'est plus des reproductions, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà, donc comme ça vous avez vu mes avancées, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, machin, bref. Pour les épisodes suivants, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup de projets, je ne sais pas encore quel projet je vais réaliser pour le prochain épisode. Il y a eu la mise à jour des hôtels qui a été faite, n'hésitez pas à aller voir, j'ai acheté aussi entre deux... oui, n'hésitez pas à aller voir la présentation que j'ai faite en live sur justement les hôtels. Il y a eu aussi l'arrivée du DLC Studio Pack. Je l'ai acheté, je l'ai en ma possession. J'ai plusieurs projets, donc voilà, je reviens un petit peu au projet. J'ai plusieurs projets, j'ai un projet Water Coaster, j'ai un projet Dark Ride, j'ai un projet d'hôtel aussi, j'ai un projet de Mine Train. Non, pas le Mine Train. Je n'ai plus un projet d'ailleurs, le Mine Train. J'ai aussi. Voilà, bon, malheureusement, il y a des attractions qui ont complètement disparu que je n'ai pas rajoutées. Je vais vous réexpliquer derrière pourquoi. Enfin, pas pourquoi, mais pourquoi je ne les ai pas rajoutées plutôt. Pourquoi je les ai pas remis, parce que j'ai remis Baron, j'ai remis Black Mamba, je crois que c'est tout, hein, qui a été rajouté depuis les dernières sauvegardes. Ouais, il y a eu Raik aussi, Raik qui a été rajouté, bref, voilà, je vais pas aller plus loin, il y a eu aussi... mais il y a encore des choses vraiment pas finies, ça ne faille pas revenir en fait, tout simplement, Planet Coaster, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, pourquoi ça n'a pas revenu certaines attractions surtout, notamment Lost Gravity, Speed of Sound, Mystery Castle. Malheureusement, c'était des attractions qui s'intégraient peu dans leur environnement, hormis Mystery Castle. C'est vrai que Mystery Castle s'intégrait plutôt bien dans Krugheim. Mais pourquoi je n'ai pas fait revenir Lost Gravity Speed of Sound? C'était vraiment des attractions qui étaient vraiment assez, comment dire, assez hors du temps, assez excentrées de la thématique globale du parc. Comme vous pouvez le voir, là, c'est beaucoup plus linéaire qu'avant quand on passe au niveau des zones. Bon, malgré que c'est pas fini, c'est plus linéaire. J'en suis d'ailleurs très fier. Mais voilà. Pour ce qui est de... Bref, donc des projets futurs, ça va se réaliser au fur et à mesure des épisodes évidemment. Pourquoi Planet Coaster n'a failli pas revenir aussi au 50e épisode? Enfin, pourquoi le 50e épisode n'a pas failli sortir aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, je me suis dit, bah, le parc est pas vraiment poussé à son paroxysme. Le parc n'est pas vraiment... Enfin, je trouvais que je pouvais pas faire de cinématique très très belle avec un parc comme on a actuellement. Le parc, ça manque de détails, ça manque voilà, de thémas encore, c'est pas complètement mis à fond, et c'est ce qui m'a vraiment hésité à sortir 50e épisode aujourd'hui. Ce qui m'a le plus décidé, c'était vos retours, c'était votre attente qu'il y avait envers Planet Coaster, et je suis très heureux de pouvoir justement vous le sortir malgré tout, même si je sais que niveau thématique c'est pas parfait, ça ne l'est pas du tout, excusez-moi. Mais c'est pas grave, la thématique, je vais la renforcer au fur et à mesure des épisodes. Il va y avoir des ajouts un petit peu comme je faisais avant. Voilà, donc j'ai vraiment mis un coup de boost pour pouvoir sortir 50e épisode, mais tout n'est pas complètement terminé. Comme vous pouvez le voir sur Black Mamba, il n'y a pas complètement tous les détails. Malgré que, voilà, ici le tunnel, c'est pas fait. Il n'y a rien de fait là en souterrain. C'est assez vide. Qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Voilà, ici il y a tout ce qui est Talokan dans ce coin là, c'est pas fait.
Dans Kukai, il y a encore cette partie-là. Dans Chiapas, il y a une grosse partie de Chiapas qui n'a pas été fait. La Méditerranée, voilà, il manque vraiment des détails au bâtiment. Mais il y a des choses que j'ai, enfin, que j'ai reparti de zéro. Hein. La maison de Méditerranée, il y avait plus rien. Il y avait rien. Il y avait juste une partie de Furious Baco. Je l'ai refait Furious Baco. Il y a des choses où je suis reparti de rien. La thématique Shambhala, bah, il y avait rien. Il y avait juste le bâtiment. N'hésitez pas à voir l'épisode 49 où est-ce que vous voyez vraiment à quel point j'étais parti en 2 mois, ce que j'ai fait, quoi. C'est assez impressionnant. Baron Marty Larsinerton, il n'y avait strictement rien. J'ai fait les pré-shows aussi en plus d'avant. Voilà, il y a un pré-show là, comme vous pouvez le voir dans la cinématique. Il y a aussi la gare aussi, j'en suis très très fier. Je trouve qu'elle est très jolie cette gare, elle est très bien animée. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il n'y avait pas Rai qui Rai, c'était vraiment. J'ai vraiment rajouté entre temps, voilà, il n'y avait pas la cantina. Il n'y avait pas beaucoup de choses, voilà. Bref, aussi le programme de ces prochains jours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais sortir mercredi. Hein. Honnêtement, là, j'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que je vais sortir. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Voilà. Si ça va être du Roblox, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Aussi, il va y avoir l'épisode de Trip Park Holotique demain qui sort à Aruba Park. Il va y avoir donc, je vais faire mois par mois, donc tous les mois je vais poster un épisode de Trip Park Holotique. Le mois prochain ce sera Walibi Holland, le mois encore d'après ce sera Bagatelle. C'est la première fois que je vous le dis, je l'ai pas encore annoncé sur mon Twitter. Peut-être que je vais l'annoncer immédiatement d'ailleurs, mais je sais pas encore. Mais ce sera Bagatelle. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Bref, donc on va donc se retrouver pour le prochain épisode de Planet Coaster. J'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que c'est pas un épisode classique, mais il y a quand même du montage, donc c'est quand même du boulot à faire. Il sera un peu plus court, effectivement. Hein. Je pense qu'il durera 17 minutes environ, 18, 19 minutes. Bref, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de mes vidéos. Allez, à plus tard.